J9, ou J9 si vous êtes anglophobe, est le nom d'un groupe de héros évoluant dans un futur où les Terriens ont colonisé de nombreuses planètes, chacune des séries étant totalement indépendante des autres. Blighger se déroule en 2111, Baxinger en 2711 et Sasuriger en 2911. On aura parfois au mieux un petit clin d'œil au chapitre antérieur, genre une planète en commun le temps d'un épisode, mais rien de plus. Pour info, le nom J9 est en référence au modèle de magnétoscope de Sony, SL-J9. Format Betamax, je vous prie. Comme quoi, ça va parfois chercher loin. Il s'agit certes d'un, ou plutôt trois, animés de robots, mais à chaque fois, ce dernier sera très peu présent. L'accent est vraiment mis avant tout sur les personnages, le mecha intervient rarement plus de 2-3 minutes en fin d'épisode, et encore. Chacun des trois volets est basé sur un schéma peu ou prou semblable, avec une galerie de personnages identiques, et qui ont carrément les mêmes comédiens de doublage. Chaque J9 est inspiré ou d'une œuvre de fiction ou d'un événement historique réel. Blighger, c'est Lupin 3 en version science-fiction. Baxinger reprend l'histoire du Shinsengumi, un genre de police shogunale du milieu du 19e siècle. Détroit, c'est de loin la série la plus dramatique et elle se termine très mal. Sasuriger, enfin, consiste en un mix entre le tour du monde en 80 jours et Galaxy Express 999. Suite à un pari, les héros doivent faire le tour de la galaxie en un temps imparti, leurs robots pouvant se transformer en train de l'espace. Les noms des protagonistes, quant à eux, sont assez gratinés. Billy the Shot, Don Condor, Blaster Kid, Jackie Lee, et ceux des héros de Sasuriger font référence à la musique, comme blues, rock ou beat. La musique justement, dont il me faut dire un mot. Les génériques sont absolument excellents, les BGM sont plutôt bonnes et sont signés Masayuki Yamamoto et Joe Hisaishi, oui le gars qui compose les bandes-son des films de Miyazaki. Et les insert songs ne dépareillent pas. Généralement dans des sonorités bien rock, les chansons des J9 donnent la pêche. Un autre point particulièrement réussi de la trilogie se trouve dans le design des costumes ou l'esthétique générale. Mention spéciale à celle complètement barrée de Baxinger et ses aristocrates de l'espace en moto spatiale volante, et dont le héros arbore une coupe afro. Fallait trouver l'idée. On notera que dans l'ending, ce même personnage a une manière de se mouvoir qui rappelle Ulysse 31. Et pour cause, les génériques sont réalisés par Shingo Araki, mais juste les génériques. Quant au character design des séries en tant que tel, c'est Kazuo Komatsubara aux commandes. Mais avant de donner mon avis, je voudrais rapporter une anecdote assez incroyable. Dans l'épisode 28 de Blighger, on a droit à une scène où l'héroïne du groupe, Machiko, âgée de 16 ans, couche avec un homme d'âge mûr dont elle est la maîtresse, ce qui est déjà assez dérangeant dans le principe. Alors, c'est évidemment pas du porno hardcore, mais enfin, on en voit largement assez. Je rappelle qu'on est dans un dessin animé diffusé à la télévision, en fin de journée, avant tout destiné à un public jeune. Certes, on avait déjà vu une telle scène dans un des derniers épisodes de Berserk Nobara, mais c'était autrement plus suggéré et destiné à un public plus âgé. Toutefois, les J9 eurent avant tout du succès auprès d'un public féminin adolescent, donc identique à celui de Versailles. A ma connaissance, en animation télé, alors je parle évidemment pas de film ni d'OVA, hein, c'est la seule fois où un studio a osé aller aussi loin, jusqu'à Evangelion plus d'une décennie plus tard. Et vous savez ce qui est le plus dingue ? C'est que Blighger a été diffusé en Italie, et la scène en question n'a même pas été censurée. Seulement voilà, si vous me demandez si les J9 valent le visionnage, ma réponse sera clairement non. Pourquoi ? Eh bien, pour chacune des trois séries, on souffre des mêmes défauts.
le premier et le dernier épisode sont bons, voire très bons, mais du deuxième à l'avant-dernier, on oscille toujours entre le tout juste correct et le franchement chiant. La mise en scène est ratée, mais ratée! On a souvent l'impression que les histoires, qui se concluent généralement en un épisode de 20 minutes, étaient faites pour être développées sur un double épisode. Résultat, les scènes s'enchaînent brutalement sans transition, et de manière parfois assez illogique. De plus, paradoxalement, le rythme est parfois trop lent. J'aurais voulu aimer les Jedi, mais rien à faire. J'ai tenté les trois séries qui m'ont toutes fait le même effet. C'est dommage car il y avait un potentiel certain, mais totalement gâché. Les persos ont la classe, j'adore Blues de Sasso Rager. Le design est très original, les chansons des potes, mais ça ne suffit pas pour en faire un animé intéressant. J'irais même jusqu'à dire que je me suis rarement autant ennuyé devant un animé. On notera au passage que le studio de production, Kokusai et Gacha, fera faillite l'année suivante. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, en 2014, soit 30 ans plus tard, Yu Yamamoto, l'auteur originel, annonce un quatrième volet, nommé Jin Ryger, et qui lui devait être inspiré de la légende de Suikoden. On eut droit à 2-3 infos, et même une chanson censée servir d'opening, mais en 2019, le projet est définitivement annulé, sans doute faute d'avoir réussi à trouver des sponsors. Dernière info pour finir, une fois Bliger achevé, un film sur ce dernier fut prévu, mais ne vit jamais le jour. Peut-être que le staff était déjà trop occupé sur Baxinger. メグル星も太陽系冷めた男とボンバーギャルが所狭しと大暴れ銀河旋風フライが、お楽しみにフライが、J9って知ってるかい昔太陽系で行きに暴れ回ってたって言うぜ今も世の中荒れ放題親部屋してると後ろからバッサリだ J92銀河烈風爆心がどっちもどっちもどっちもどっちも遥かに広がる太陽系も今じゃ惑星50を超えていずれも文化の花競う時は西暦30世紀アステロイドの J9ランド太陽系最大の暗黒シンジケートにどでかい賭けを挑んだICブルースとそれを支える仲間たち抜き打ちロック音ボケビート気まぐれバーディーの小粋な奴らが太陽系所狭しと大暴れ J9 シリーズ第3弾銀河疾風ささいがレッツゲッツゲザー J9 夜空の星が輝く影で終わるのはラインが下まする星から星に泣く人の涙背負って宇宙の始末銀河旋風ブライガーおよびとあらば即参上ジェナイジェナイ情け無用アステロイドベルトのアウトローも震え出すコズモレンジャージェナイ